motema ba congolais d'ailleurs na signaler le komoko biso toza na ba Congo plus précisément toza na Kikanda donc frontière na biso oyo ezali noki biloko zo kota bato bazo vérifier te ba conteneur zo utangola mot d'ordre déjà oza a droit ko fungola te donc ti ezo le kana singa ka kesele la ki ba collection vert okoye ba ndenge nini biloko za na kati kunza ba arme pete ko za la bato ba soda ba za na kati ba kana biso nyoso sala petit ndave bato ba ya usate ba contrôle ba kan wa matade ba kanyo sa matade ba ruande ba tondi na kati basi ba rwandi ba koma ofinga basi ba kongole meme na pompi bose la ba koma bana misala na biso eh papa me o makamole sa mapi na bakancha bakan la ndela makambu nyoso ba tre tre baze bele ezaka ka kuna di kolote ba kizo kitatina se a wana ba frontiere nyoso ba Congo biloko zo kota me a kuna a loko so sala kongwa po ikata kuna ba verifiaka me o ko uta kuna conteneur fermé monto de uti de di kolomo ta simbate hein ata yo moko vraiment. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Bienvenue sur votre chaîne Actualité 26 TV. Voilà, nous sommes là, une fois de plus, pour vous informer la situation de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, Makambo et Kutambo Yamabe Makasi. Nous avons eu à dénoncer la complicité de l'Angola. Une fois de plus, nous venons pour vous informer, pour vous dire la vérité au Nini et au Kolekana République démocratique du Congo. Ndengi Bouibi Bandekunanga. Une complicité de la communauté internationale vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ont compris la République démocratique du Congo. Na lire otoko kendenango, nous risquons d'être grande puissance. Bazu ba créer les biso ba stratégie moko ya mabe, ba créer les biso ba stratégie moko ya molili pour déstabiliser la RDC. Mesdames et messieurs, João Lourenço, le président de l'Angola. Un hypocrite tout fait, une personne. Oyo wapi et pas na biso a koloba kenote. Tozali ensemble. Mais tant que tu coupes sa mokongo, il est là en train de clouer la RDC. Il est là en train de dire des choses. Oyo Isali. Yakobo Mandé, la République démocratique du Congo. Bande Kolangaï, Bido Bokolanda Biso. Ako Luka, Ndengenya Sotou, Yakoyeba Nako déstabiliser la RDC. Mesdames et messieurs, il y a une photo où il y a publié les biso, ba tindi yango na compte na biso et puis ba sali commentaire. On a vu une photo de Francine Muyumba avec Joseph Kabila. On a écrit lors du retour de JKK au pouvoir. Celles qui lui ont été loyaux dirigeront à ses côtés, Focus 2028. Alors, mesdames et messieurs, il y a du matériel de guerre au Wapi et au Kotaka à travers Congo central et au Utara Wapi Angola. Il y a une personne au Wapi, Batine Libiso, ba information, ba Komé Libiso, ba alerte Biso pour signaler. Service de sécurité. La complicité de l'Angola, il faut échapper bisoté. On vient de nous signaler na minute oh, il y a un appel et puis il y a un audio. Oh, wapi to kote la bino boyoka, comment est-ce que abonné moko oh, wapi azali na Angola
ils ont remarqué des mouvements moko très bizarres na frontière na biso na Angola. Mesdames et messieurs, vous qui êtes là, binoba oyoyo, vous allez censé de protéger la population. Vous avez omitika na makambo oyo esengeli komitika te. La RDC baza ko comploter pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Les gens censés de protéger la population, mais ils sont là en train de se comploter pour déstabiliser le Congo. Bah, koluka, à tout prix, comment est-ce qu'ils vont faire pour nakouyeba nakou baby ça, la République démocratique du Congo, pour nakouyeba nakou baby ça, tout ce qui est normal, bah, avancer à Mokonja Mboka. Mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, interpellation, il y a ex-chef, il y a Aner, Oyewapi, a ebanaki ko participer dans le coup pour faire avancer, bato oyoyo, bako luka ko déstabiliser la RDC, bato oyo bako luka ki Congo ebanako sala shit, Congo ebanako sala perdu, Congo ebanako kweya. Ndeye a préféré qui le mieux ya koyeba na nini ko kangama na bato wana koyeba na ko faciliter bango. Une facilitation pour espérer à un coup d'état réussi. Les États-Unis a mis en marche toute la complicité au wapi ba sangani avec les pays africains pour na nini ba Monique Tshisekedi est en train de résister jusqu'à preuve du contraire ya koyeba la ko céder la partie est du Congo. Au moment où je vous parle, na Belgique à Berlin, manifestation moweza kuna somo bato ba telemi ba ko réclamer ba lobby complicité de la Belgique, complicité de la Belgique. Nous devons continuer à dénoncer la complicité de la Belgique. Parce que la Belgique, il a dit, Moka, et Yanini, et colonisa Bisso, Azan a droit, to Azan a makasi, wapi, il faut à s'élever, il faut à s'élever, aya ko bundela biso à Berlin, plutôt, excusez-moi, en Allemagne, marche kuna eza ya ko saganate. Mais on se pose la question, on attendait peut-être Belgique et ko se lever et telemi po ezwa le devant pour na koyeba na ko bundela biso ko lobela biso. Mais jusqu'à présent, la Belgique a tikali bouche B, a kota la nyon surtout complicité, nyon surtout ndenge, nyon surtout bako se la biso pour déstabiliser Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je vous informe. Et puis, on est en train d'alerter les services de sécurité. Frontière Angola-Congo, mame zali kuna. Le président João Lourenço a cédé à la pression ya kokotisaka ba Rwandais pour que baye ko attaque biso à travers Congo central. Donc ceux qui to baisser les bras, nous allons voir, nous allons être très surpris. Et puis yo à travers la facilitation, il y a João Lourenço, il y a Koko Tisaka, ba commando, il y a Koko Tisaka, ba militaire, ba ya Koko Telabiso, na kati ya Congo central. Et puis, chose bizarre, avant que je puisse vous laisser écouter l'audio en question d'un abonné qui est en Angola, au Wapi, abimisi ba vérité nyon surtout oye koleka de la situation oye koleka entre frontières ya biso na Angola. Il y a des opérations commando oyo zo lingi salama pona koya ko libérer bato nyon surtout o bazali pour Kagame. Bato nyon surtout bazali pour la complicité à déstabiliser la RDC. L'opération commando consiste à yako yana ti
na prison ya ndolo ko bimisa bato nyonso tu y compris même na ba mwanga chouchou y compris même na ba mwanga chouchou ba ba na ko libérer bango parce que ba moni déjà que non ba mwanga chouchou wana bazali bato na bango donc ba moni que non te il faut to libérer bango parce que faut bazala libre parce que je vous ai toujours dit que non mwanga chouchou est la boîte à Pandore. Et la boîte à Pandore ya Kagame. Mwanga chouchou connaît beaucoup sur ces dossiers. Mwanga chouchou a ebi ebele. Même la plupart de personnes au bazali na kati ya parlement en connaît beaucoup sur le dossier de l'Est de la République, mesdames et messieurs. Il ne faut pas totika makambo oyo ebala ko kende lokola ndeti to ko rêve. Parce que vous avez vu comment on a été surpris avec Christian Malanga. Na kokota na ya kokota à travers Brazzaville. Alors l'élopé, ceux qui t'ont tiki les sous Angola, nous allons être surpris, mesdames et messieurs. L'Angola, lui qui est en train d'écouter tout ce que les États-Unis est en train de lui dire, il est comme le marionnette des États-Unis, le marionnette de Joe Biden, João Lourenço. Écoutez d'abord l'audio et puis nous allons développer. Mbote, 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 bande konanga ya Actualité 26 TV. Na sepelaka mingi na koyoka bino ndenge bozoko pese biso basango o etalili situation sanitaire na makambo mosusu o ya pei na biso. Na minute oyo na ndenge tozali koyebisa bino frontière oyo ya Angola na Congo Central. Ezoko kotisa bato ebele 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 na materiel de guerre kokebela yango kotinda bato oyo ya sécurité ba visite bazala veillant na frontière wana biso toza na Congo te tozomona makambo tozoyoka mpe tozoyeba mwaye tokanga motema eza te ifo esika tozali liso likolo ya liso bosala nyonso po botala frontière wana bato ebele bazokota no identifie ba materiel na ba conteneur ba camion ezokota bino boza wapi po boku interrompre action wana merci mwaye naloba mingi te bo comprendre importance ya audio oyo na lobi lisusu po na makambo oyo ya kobombaka bato na ndolo eza na bapréparation bazosala po baya kolibere bato wana bakomando baspécial bazali dispose po baya kosala filme kuna na ndolo po basabote bazwa ba oyo bazali important mpona bango kokeba kokeba lisusu kokeba lisusu ba oyo bazali important kufale kolimnaka bango bakende bozela susu te makambo oyo a e peine de mort basinye yango ifokola bozobomba bango mpona nini fo bakende ke bango bakanisaki liwa eza kiloko pamba fo kokende kolakisa bango nzela bafokende. Alors mesdames et messieurs, frontière Angola Congo, Angola RDC plutôt, excusez-moi. Il y a de matériel de guerre. Oh wapi e kokota. Quel est le rôle ya ba matériel de guerre wana o yenge kokota? E kokota, e kokota. N'est-ce pas on vous avait dit que non? Boni boni ndenge nini, João Lourenço autanaki ko céder na pression ya États-Unis ya kokoti sakanani kokotsa ba RDF ba M23 à travers Angola ba ya kokota na Congo Central. Et puis tant ba kokota na Congo Central ba continue ba matériel de guerre ba continue ba matériel de guerre tant ba kokota na ba matériel de guerre ce par là ils vont attaquer Congo Central. C'est ça l'idée maintenant des États-Unis, de la communauté internationale pour, les, pour la RDC. Il ne faut pas tout continuer qu'on baisser le bras.
Il ne faut pas tout continuer à côté à la mise. Parce que au moment où je vous parle, un réseau de personnes, un réseau de mafieux, des gens au roi de bandeau qu'on préparait, qu'on déstabilisait, tu sais qu'il dit, dévoilé. Dans ces réseaux, nous avons vu João Lourenço, Sassou Nguessou, Christian Malanga à l'intérieur, Fridolin Ambongo. Un réseau de prédateurs à haut niveau bah, sangani pour assassiner Tshisekedi. Bande qu'on a biso bozana Congo Brazzaville. Bande qu'on a biso bozali na Angola. C'est le moment de dénoncer. C'est le moment de dire nyon surtout au boko mona na ba pays wana ekoleka. Parce que soki boko kanga mato iboko kanga misu. Sachez-le très bien. Braza est un bon canabinoté, Angolais est un bon canabinoté. Ce qui est indi, beaucoup d'en a besoin qu'on a raki sa sa. Beaucoup d'en a besoin qu'on a la RDC. La complicité de João Lourenço. Je vous avais dit, je vous le répète encore une fois de plus. João Lourenço est le marionnette de la communauté internationale. Azan a mot à dire te devant la communauté internationale, João Lourenço. Le seul pays où peut-être a commis qu'on s'est imposé à la communauté internationale, c'est le Burundi. Burundi, il est en train de s'imposer à la communauté internationale à côté de Joe Biden. Parce que Joe Biden, aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'imposer aux pays africains qu'il y a beaucoup de salabouis, beaucoup de salabouis, beaucoup de salabouis. Alors que c'est contraire à la Russie et à la Chine. La Russie vient par la grande porte. La Chine vient par la grande porte. Mais contrairement à les États-Unis, à la France, fenêtre, ils sont là en train d'imposer des instructions dans les pays africains. Nous sommes là pour les minerais dans les pays. Vous avez écouté l'audio. On a dénoncé une complicité de haut niveau à João Lourenço. Nenge nini ba matériel de guerre koki kokota et ou tangole kota ka RDC. Et puis to kobe ya ba service de sécurité. Ba gens ya DGM o bazala ka ba frontière na biso. Bazali batu ya nani? Ba gens ya DGM o ba servir ka frontière na biso ya Angola. Entre biso na Angola, bazali batu ya nani? Bazali batu ya Kabila to bazali batu ya régime présent ya Félix Antoine Tshisekedi. Parce que ceux qui vont aller battre, il y a un régime, il y a Tshisekedi. Là, je doute fort. Là, je vous ai dit, je doute fort, mesdames et messieurs. Je ne crois pas que nos bateaux vont aller battre Congolais de père et de mère. On va aller sécuriser la frontière de Bissona, Angola. Je pense que ce sont des étrangers. Je pense que ce sont des gens au Bazali, Bazali qui n'a. Bazali qui sous-règne ya opération, sous-règne ya régime, ya Hippolyte Kaname Kazembere. Parce que on ne peut pas croire que non l'Angola a kokota ba matériel de guerre et que batu ya déjà wana bazali la frontière ya Angola ba vandi ba conservé ou soit ils sont corrompus ou soit bazako participer na ko déstabiliser Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je fais appel à tous les Congolais de l'Angola. Il faut soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Comment nous allons soutenir le président de la République? Il faut dénoncer bah, acte nyostu yamabe oyo João Lourenço a co-créé pour déstabiliser Tshisekedi. Quels sont les actes de João Lourenço? João Lourenço vient d'accepter l'accord entre l'Angola et, les États-Unis. Yakor Yanin, bandimi ko cédé na pression États-Unis, yako kotisaka ba Rwanda, yako kotisaka ba RDF, ba M23 pour venir attaquer Congo central. Nyos wana na participation à João Lourenço. Nous avons deux pays qui est en train de nous créer des problèmes. Congo-Brazzaville, l'Angola,
Les deux pays phares. Oh, ouais, puis bah, comme il faut faciliter l'infiltration pour venir tuer Tshisekedi. On pensait peut-être que non, avec l'Angola, ça va être différent. Au contraire, c'est le même film qui est en train de se répéter. C'est le même film qui est en train de se répéter. Le lundi, mesdames et messieurs, Bissonios tout lundi, marche devant l'ambassade, il y a Russie. Marche devant l'ambassade, il y a Chine. Il faut au Benga, bah Russe, il faut pousser le président de la République cette fois-ci. Nous irons à l'ambassade, il y a Russie. Et puis, après avoir causé l'ambassade de la Russie, nous allons demander à Poutine de venir nous aider. Parce que les États-Unis sont complices de tout ce qui se passe à l'est du Congo. Mesdames et messieurs, une complicité de haut niveau au Wapie Koli Kananambo Kanabiso, Batouana Bako Lukanengeni a déstabilisé le Congo. Batouana Bako Lukanengeni a déstabilisé la RDC. João Lourenço a trouvé bon de céder à la pression des États-Unis. Pourquoi? Parce que lui-même, Bokondinaye est allé protégé par les Américains. C'est pour cela, vous avez remarqué, il a cédé à la pression des États-Unis. Ok, nous allons vous lire l'information. Parce que, Awa, Mabe, Ezama, Kasi, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis, Moka, Mabe, Ezama, Kasi. Mabe, Ezama, Kasi. Après l'échec de Christian Malanga avec comme base arrière Congo-Brazzaville, plusieurs RDF ont atterri en Angola, selon une source. Ces criminels vont passer par le Congo central, destination Kin, afin de saboter les institutions. L'Angola aurait cédé à la pression des États-Unis. Plusieurs RDF ont atterri en Angola. Cela veut dire quoi? Il y a de 1-23 Bayaki Bakiti Wapi na Angola. Il y a de Rwandais. Oyo Wapi Bako Bomana Est du Congo. Baye a Bakiti Wapi na Angola. Ba outi depuis Kigali. Bakiti Wapi na Angola. Tango Bakiti na Angola. Ils ont commencé à traverser vers Congo central. C'est pour cela que vous avez vu na audio autouti koyo kisabino. Ndenge nini, un abonné avant d'y Angola, il nous a envoyé un message, un audio. Yako confirmé biso que non, matériel de guerre, ils ont kokota na kati ya frontière na biso. Maintenant, nous appelons au service de sécurité. Baja et DG Moussala na bango, nini. Tukani seki peut-être Baja et DG Mouana, bazali mieux placé. Yako yeba na kolandela nyoso tu oye koleka na repi de mokati di Congo. Mais on a vite compris que non c'est... Alors, mesdames et messieurs, toko Zulabino, un abonné, oye wapi, ako yeba na ko éclaircir opinion publique, ako yeba na ko éclaircir. Bonjour Ndeko. Allô. Oui, bonjour Ndeko. Bonjour, Ndeko Nangai, Nasepeli Ming. Ok, vous êtes en direct sur notre émission et puis sur la chaîne Actualité 26 TV. Est-ce que Okoki ko expliquer moi mouke ba Congolais pour baye ba baza na idée par rapport ya Oezo Leka entre frontières na Bisso, Angola et puis na RDC? Ndeko Nangai, na banzi na betle bino deja li solo wana eza deja na audio wana indeli bino oui. Na zwi soso assurance na audio mososo na dindeli bino na transfere yango oui. Donc moutu atindi audio na zwi yango na transfere li soso na bachetano wana oye tani makambo oyo e, ba oyo ba koki kozala vraiment vise oui. Ko basala keba na likambo oyo nyonso tozo komona na frontière wana ya ba Congo disons Congo central ya yeah. Mituka ezokota
ba conteneur ezokota oui basi ba soda mususu bazolo ba binombo otikala kozala susu bato ya malonga te boko otikala kozala susu ye importante boko zala ba sali na biso alors epesi biso basi makambo wana bato bazokota ba mususu no identifie bazokota na ba conteneur moye ba fungula ngo eza te ezoleka ezokende wapi binombo za wapi po ba conteneur wana ezoleka yebake ere ekozala susu te na est po bowela makambo etani ere ekonomike sikoyo balingi ba mpe mpe bilingi sasa bavili ya matari yango wana na esengi na bino kozala vigilant vigilant tre vigilant po oyeba ndenge nini bino kokokontratare ba action wana nyonso. Merci à l'année pour nous à l'Europe qui a déjà. Donc, on a tous un aller pour rappeler les binômes que nous avons qui les années. Ok, alors excusez-nous un peu, Ndeko. Est-ce que par rapport au mouvement pour l'Angola, ils ont un peu paisible, qu'ils ont paisible? Ok, non, ben nous sommes tous congolais, ben nous sommes tous ils ont un peu paisible, j'espère. D'accord, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi, on était en direct avec Ndeko Moko Oazali d'Angola. A signalé Bissa Lobby que Bakomi Kolandela, Bakongolais Misusu Oazali déjà d'Angola. Parce que comprendre que non, Bakongolais wana. Bakoki ko bimisa ba message to bakoki ko arlecter ba gouvernement congolais parce que il y a des conteneurs o ezo kota ka déjà pour na koya déjà ko renforcer ba oyo déjà li déjà koti déjà Congo central pour ba na ko attaquer Kinshasa et puis il y a des Rwandais déjà ba outa ki déjà atterrir na Angola. Souci na bango ezali nini? Soki ba koti na Congo central et puis chose bizarre ezali nini? Comment est-ce possible? Ba Rwandais ou soit plutôt, excusez-moi, ba conteneur e kokota Kinshasa e kokota RDC e kozala contrôler te. Ba marchandise nyoso. Oye kokotaka, e kokotaka. Po ekota Congo e kozala contrôler te. Mais tout ce qui est marchandise o ezo linge kota Luanda e linge kota Angola e kozala contrôler. C'est bizarre. C'est bizarre, je vous dis. Quand je vous dis que non la DGM oyo e kozala mosala kuna na frontière na biso na Angola ezali complice. Pour nous couper, nous avons assassiné Tshisekedi. Mesdames et messieurs, Tshisekedi, il est loin de Dieu. Quel que soit les complots au Baroque fournis contre Tshisekedi, ça sera nul le sang de feu. Mais nous devons être très prudents parce que l'Angola a été d'accord devant les États-Unis
Ya koyeba la ko faciliter ba Rwandais ba kote la biso à travers Congo central. Au moment où je vous parle, déjà dans Congo central, il y a des Rwandais. Je vous le confirme, il y a des Rwandais au Congo central. Oyo wapi bandimi kotika ba Rwandais ba kota bandimi kotika ba matériel de guerre kota. À la fin des comptes, nini, baeba na nini, baeba na ko attaquer Kinshasa. Parce qu'ils ont compris que non, l'attaque, il y a coup d'état, il y a Christian Malanga, a été trop faible. Kagame a mis des moyens. La communauté internationale, les États-Unis, ont mis des moyens jusqu'à ce que yakoyeba na ko corrompre même Angola pour na ko faire céder. Aïba na kondima, na onyon surtout la République démocratique du Congo, bako l'gaba sala, eba sala. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes face à un complot de haut niveau, où il y a plusieurs États, et qui la RDC. Mesdames et messieurs, nous devons être prudents. La RDC, auto komo na lelo. Il faut, la cause à la prudence, mesdames et messieurs. Il faut tuer la cause à la prudence, mesdames et messieurs. Il faut tuer la cause à la prudence. Parce que João Lourenço a déjà créé les stratégies, créé de manière au Nini Yakoué déstabiliser Tshisekedi. Mais il faut s'imbattre.